Eh ben, le festival au quart de tour, il a fini prématurément, voilà. Normalement, il est prévu pour durer du mardi au samedi. Et là, en fait, le mercredi après-midi, enfin en fin de journée, juste avant que les portes ouvrent pour le deuxième soir, eh bien, la police municipale est venue nous apporter un arrêté municipal, préfectoral, nous sommant de fermer le site et d'annuler le festival. Il doit descendre pour m'expliquer un peu plus, pour voir ce qu'il faut faire, parce qu'il m'a dit qu'il fallait globalement évacuer toutes les voitures. Vous voyez, ça, mais globalement nos camions, et puis il y avait un risque pour à peu près 20 cm, et après ça allait décroître à partir de la journée. On a cru un petit peu. Qu'on allait pouvoir reprendre, si c'est pas le mercredi, le jeudi, voire le vendredi, mais bon. La police nationale, ce coup-ci, est revenue pour nous dire que c'était dead de dead, quoi. Voilà. Et pour risque d'inondation, quoi, donc, et risque avéré, puisqu'on a bien été, non pas englouti parce qu'on était parti avant, mais en tout cas, le site a été, s'est retrouvé sous un mètre d'eau à certains endroits. Quoi. Voilà donc gros bouillon hydrique et financier, pas facile, avec très surprenant, mais en tout cas un mouvement de solidarité qui s'est très très vite monté hein, dans les quelques heures qu'on suivit, avec des campagnes de dons, d'appels à non-remboursement, pas forcément d'ailleurs tout téléguidé par béton, hein, plein de gens ont pris des initiatives, des groupes, des particuliers, tout ça. Dès que j'ai commencé à avoir des soupçons de problématiques, j'ai cru comprendre que c'était annulé au départ. Je ne savais pas pourquoi, j'ai tout de suite pris mon téléphone, j'ai appelé Franck, le tenancier de la boutique, là, qui m'a dit « il n'y a pas de concert ce soir, si tu veux on fait un truc », il ne savait pas quoi, et bon, ils nous font confiance, les patrons de bar, notamment au Canadian Café, donc on a pu rapatrier ça au Canadian Café, fort heureusement. Pour ce qui est des groupes, parce qu'il y en a quand même qui viennent de loin, pour info, Rotten Mine, le groupe suédois, jouait à Athènes il y a deux jours, le faire venir à Tours pour lui dire « bon bah c'est annulé », bon, le moindre des choses c'était de le faire jouer. Avec tout le regret qu'on a de ne pas pouvoir faire ça au quart dans de meilleures conditions, enfin dans des conditions différentes. Bon, la grosse tristesse pour au quart, quoi, vraiment. Donc ça nous a permis de négocier avec les partenaires qui là aussi ont été vraiment pour certains super compréhensifs avec les groupes et là aussi pour certains super vraiment super compréhensifs notamment ceux qui coûtaient cher entre guillemets qui ont annulé purement et simplement le contrat en rendant la compte quoi donc voilà donc tout ça fait que on a quand même pris le bouillon, c'est-à-dire on a perdu de l'argent, beaucoup d'argent. Au dernier pointage qu'on a présenté à la ville de Tours, on était à un peu plus de, on va dire, moins 100 000. Voilà. Pour être, 100 000 euros de dette. Là-dessus, 10 000 euros de dons, c'est-à-dire l'appel à dons en ligne, les petites caisses par-ci par-là ont ramené 10 000 euros, et l'abandon de billetterie, c'est-à-dire les gens qui ne se sont pas fait rembourser, nous ont rapporté 20 000 euros supplémentaires. Donc ça fait 100 moins 30 égale 70 000.
aujourd'hui, c'est la somme qui nous manque. Quand on a vu l'engouement des gens et leur implication pour le festival, aussi bien de le fait de ne pas se faire rembourser, que de donner de l'argent, que de se déplacer dans les petits trucs dans les bars qu'il y a eu, direct, dans la tête de tout le monde, on ne voyait pas comment Aucar pouvait s'arrêter comme ça. Et du coup, on cherchait des moyens d'avoir une grosse rentrée d'argent, ce qui n'est pas forcément facile. Et moi, j'ai proposé ça au mois d'août parce qu'il n'y a pas d'événement dans la région, pas de gros comme nous, ce week-end-là. Le week-end prochain, il y a Cosmopolite. Le week-end d'avant, il y avait Ether and Rock. Donc il restait ça. En plus, c'est un week-end à rallonge. Donc je me suis dit, c'est pratique. Les bénévoles ne travaillent pas le lundi, ça peut nous aider sur le démontage. Pour moi, c'était bien. Et pour beaucoup de béton, ils trouvaient ça risqué parce que ça a réputation, tour, mi-août, il n'y a personne, désert, tout le monde est en vacances et tout. Je n'étais pas complètement d'accord parce que je sais qu'à Tours, il y a des gens qui ne partent pas en vacances en juillet, en août, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour partir en vacances. Et on le voit avec les huiles électroniques, on fait des trucs tout l'été et il y a du monde. Donc j'ai bataillé contre ça, c'était pas facile. Et puis finalement, ils ont décidé de me faire confiance. Ils étaient un peu contre aussi parce qu'il y a beaucoup d'anciens bénévoles, responsables en plus, qui prennent vraiment part toute l'année dans l'organisation, qui n'étaient pas là. Du coup, c'était un peu compliqué. Et on a réussi à monter une équipe jeune, même s'il y a quand même Pascal Robert qui est là, et ça, c'est super important. Mais par exemple, en régie générale, c'est Sébastien Garcia, qui a fait un taf monstrueux sur cette édition. Sans lui, en plus, avec l'état d'urgence, c'était des dossiers, mais horribles. Enfin, du coup, avec une équipe un peu nouvelle, on a réussi à le mettre sur pied en très peu de temps. Et sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Et heureusement qu'ils étaient là. Et heureusement aussi que les anciens nous ont dit « Ok, c'est vrai, vous êtes peut-être jeunes, mais ok, on laisse un peu couler et on va vous faire confiance. » Et ils ont bien fait. C'est une édition qui va faire date dans l'histoire du festival, ça c'est sûr, parce que ça sera probablement vraiment la dernière sur l'île Aucar. On va pas refaire un festival de soutien, c'est pas possible. Donc là c'est vraiment la dernière fois sur l'île Aucar et ça c'est historique. Et moi qui n'ai jamais connu le festival Aucar sur l'île, je vais pouvoir faire comme les vieux maintenant, me dire ouais moi aussi j'ai fait Aucar sur l'île Aucar. Et ça c'est une petite revanche personnelle. Ouais carrément. Organiser un festival comme ça en un mois et demi, la programmation, c'était vraiment speed. Heureusement que les groupes ont quand même rapidement répondu présent. Après, j'ai quand même épongé pas mal de gens qui m'ont dit ouais, « on n'est pas dispo, on est en vacances, on n'est pas sur tour ». Mais on a finalement réussi à trouver beaucoup de monde. Il y a des gens qui se sont proposés d'eux-mêmes. Je pense notamment au Set of Mind ou à Mars Red Sky qui sont venus nous voir en disant « bah nous, on n'a rien ce jour-là, vas-y, on vient pour rien, on vient juste pour le défraiement, donc banco ». Il y en a qu'on a contacté, beaucoup de Tourangeau bien sûr, qui dès qu'ils étaient dispo, on dit ouais on vient, pas de problème. Et puis les O2N, ça s'est fait en une heure, je leur ai envoyé un mail, je fais les gars, on est dans la merde. J'ai vu que vous n'aviez pas de date, est-ce que vous êtes dispo, est-ce que vous avez envie de venir en une heure? Ils ont fait ouais banco, on vient. Enfin, avec le sourire, génial, quoi. Phénix, sa mère, je veux la lumière, je veux ce que j'ai pas, des choses primaires, le vent clairait, l'esprit. Moi j'ai vu qu'il y a eu des problèmes sur l'édition, parce qu'on a vu les photos circuler là du site complètement inondé. Et quand il nous a appelé pour nous dire que vous envisagiez, enfin, en quart de tour, de refaire deux jours de soutien, voilà, pour permettre au festival de rester debout et tout. Bon, on a dit oui tout de suite parce que Radio Béton, c'est l'une des premières radios qui nous a joué. Enzo nous a fait jouer plusieurs fois. Donc ouais carrément, c'était tout à fait normal de répondre présent en tout cas. We'll be right back.
sauf galère, il y aura un hauteur en 2017. Bah j'espère bien, ouais. À l'année prochaine. Ouais. Regarde tout, it's not dead.